Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager et l'épreuve numéro 6, le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Suite à la victoire d'Ivone Fonseca la dernière fois à Spa, on va essayer de continuer sur cette lancée, faire en sorte que notre écurie continue à marquer des gros points et puis surtout nos pilotes. Ça serait super si on pouvait monter de catégorie à la fin de la saison. Moi je dis pas non. Donc on a une interview à donner à JTV Sport. Allez, acceptez l'interview. C'est une belle victoire pour Ivone Fonseca et qui est la clé du succès. C'est un pilote extrêmement doué, facilite le travail. Mustapha Al-Sadda finit 7ème, bien en dessous des attentes. Je m'inquiète pas pour. Je m'inquiète pas, ça n'a pas été une belle course, mais je m'inquiète pas. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Non, en fait, c'était pas vraiment. Voilà, c'est la stratégie. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Course géniale, on a gagné, merci beaucoup. Donc, ça lui donne un moral plus 15, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Et donc, voilà, les voitures sont réparées. Ce qui permet. Alors, on a combien? 1 200 000. Est-ce qu'on pourrait se permettre de concevoir de nouvelles pièces? On a actuellement juste la transmission qui est. Transmission améliorée. On pourrait faire quoi? On pourrait essayer de faire un moteur, c'est 1,5 million le moteur. Peut-être faire les suspensions. Ce serait pas mal ça. C'est dommage qu'on puisse pas en construire deux d'un coup. Peu dommage ça. Donc on va continuer à faire taffer sur l'amélioration des pièces telles que l'aileron, enfin les deux ailerons d'ailleurs. Hein. De toute façon ça va pas durer ça. Et après on va faire bosser sur la fiabilité des freins qui seront construits. Et c'est parti, on fait défiler le temps. Donc on voit que là on va arriver à la fin de la conception. Suspension, donc on a un dilemme. Catastrophe, nous avons trouvé une fuite du système de refroidissement du moteur de Ivone Fonseca. La fiabilité de la pièce sera nulle si nous ne la réparons pas. Je m'en fous, réparer. Voilà. On retrouve une nouvelle fois le budget en négatif, mais là c'est nécessaire. C'est inconcevable qu'on fasse tourner Fonseca avec un moteur foireux. Donc on a fini la conception de notre pièce, donc on va l'installer sur la voiture du Ivone Fonseca. C'était quoi qu'on a fait? C'était les suspensions. Voilà. Suspension, et on les met à Fonseca, voilà. Et au niveau de la fiabilité, donc on peut enlever ça. Et on va les faire bosser sur ça. Voilà. Et de toute façon, là, ouais, on a déjà... 148 000 de négatif au niveau du budget, on va pas s'amuser à jouer au con. On en est où au niveau de la... Ouais, c'est toujours en train de bosser. Ils ont quasiment fini hein, de bosser sur la fiabilité. On pourrait s'amuser à les faire bosser sur... les performances moteurs. Ça coûte rien. Ils pouvaient nous faire gagner un petit peu en performance moteur et puis je sais pas la transmission. Voilà. Ça les occupera 5 minutes. Alors on va se diriger tranquillement. Donc on a le championnat de F1 qui a eu lieu. Résultat de l'épreuve, donc Mercedes, Ferrari, Red Bull, très bien. Voilà. Et on est à plus que quelques jours, dans 10 jours, on a le Grand Prix d'Allemagne. J'ai vu qu'il y avait un type qui était sur point de quitter une écurie, j'ai pas vu que c'était. Travail sur la performance, donc est terminé. Destination, Allemagne. Optimisation de performance, donc ça veut dire que tac. Ici, ah ils ont arrêté de bosser, ils ont pas fait plus, d'accord. Bon, et ben voilà. On va pas leur en demander bien plus. On va
Voilà, de toute façon, on arrive à la tête du Grand Prix, donc allez, allons-y. On va reprendre Nova comme sponsor. Voilà. Et puis, c'est parti pour la course. Allez, direction l'Allemagne. Sixième manche de notre championnat. Et si on pouvait récidiver l'exploit de Spa, ça serait quand même pas mal. Allez, on est parti pour les essais libres. Donc on fait participer nos deux pilotes, bien sûr, aux essais libres. Les réglages, alors qu'est-ce que ça nous... Oula. Donc il nous faut de la déportance au niveau de la maniabilité, quelque chose de plus comme ça. Et ouais, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. On va faire partir avec les softs. Voilà. Mustapha, qu'est-ce qu'il dit Mustapha? Lui pareil, on va lui mettre un petit peu plus d'appui sur l'avant. Et voilà. Avec les super soft lui. Et puis on est parti, hein, participer aux essais libres, on roule. Donc on va les envoyer en piste rapidement. D'agressivité maximale. Allez, c'est parti. Des pilotes qui sortent des stands et qui s'élancent pour aller tout de suite essayer la voiture. Espérons que ça soit productif. Histoire qu'il fasse au moins deux tours pour avoir des résultats, déjà, finalement, le feedback. Les raccords de transmission sont vraiment impeccables, donc c'est déjà pas mal. Les suspensions sont parfaitement réglées pour le travail, c'est nickel. Plus rapide que le Sedan. Le paramètre est parfait. Le Sedan est un peu plus dingue sur les ailes. Donc on va voir, on va faire ce tour. On va aller rappeler tous les deux au stand. Ouais. C'est un fond de sécurité avec Zadat qui sont respectés dans le 3ème et 4ème. Fond de sécurité qui ne fait que des retours positifs hein, sur sa voiture, donc c'est plutôt encourageant. Hein. Voilà, il rentre au stand tous les deux, on va pouvoir analyser un petit peu tout ça. Bon. Alors, oui, on a un problème avec la déportance. Voilà, jouer comme ça. Avec un nouveau train de pneus super soft, histoire qu'il se mette bien. Et puis Fonseca, alors elle est plutôt contente de ses réglages. Peut-être
pas perdre en maniabilité en fait. On va arriver à peine. Et puis ouais, on va juste chatouiller un tout petit peu pour voir si ça veut rire. Hein. On va le faire partir aussi en super saiyan parce que je veux qu'elle teste les deux types de pneus. Dans les profondeurs du classement pour l'instant. Pas mal de virages quand même dans ce circuit, alors est-ce qu'il faut privilégier la vitesse et l'accélération? Pas sûr, la mobilité parfaite, donc ça sert à rien. Voilà, c'est un tour de l'aéronomie qui est nettement meilleur maintenant, mais tant mieux. À beauté, c'est réglage. C'est pas très spécial, ça me part trop bien joué, mais ouais, nickel. Ça grimpe pas forcément le classement, mais... Est-ce qu'on est 8 minutes 30 dans le monde, on va continuer à les faire tourner à fond. Ce qui est terminé, donc on a voilà, des réglages qui sont nickel pour les deux pilotes, parfait, hein. Pas simple. Apparemment, il aura fait un moins bon tour, Mustapha. Allez, on se dépêche de ramener les voitures, hein. Cette voiture va faire finir le tir. Et puis on va passer à la course. Voilà, les essais libres qui se terminent, on passe donc à la course. Avec les résultats sur 7e et 12e. Et donc on va jeter un œil à la météo déjà. Donc pas de pluie pour l'instant. Donc on est sur un temps sec. Ça c'est cool. Les réglages on ne touche absolument pas. Les stratégies du pilote, ben, on va le laisser. Par contre on va consommer du carburant. Et on va le laisser en style de conduite. Agressif mais pas en full attaque parce que j'ai pas envie qu'il bousille les pneus. Et puis on est parti. Donc on est sur la grille 8e et 15e, forcément en fond de séquence loin puisqu'elle est remontée sur la grille, sur le classement. Surveiller son départ d'ailleurs, il est départ de l'air, un petit peu de mal à décoller à chaque fois, donc c'est qu'il y a un son terrain. Juste après, j'ai pas compris, il passe directement au charbon. En fait, c'est vrai qu'il est en place, il passe 15e maintenant. Ça va bousculer un petit peu, là, pour une nouvelle place. On sait pas qu'il est en train de descendre dans le fond du placement, mais c'est pas grave, on va laisser gérer.
15 tours avec 11 points complets. Il y a la moitié. C'est fait 3/15 pour l'instant, donc on remonte rapidement. Alors que, au moins, on va déjà avoir un petit peu de temps à essayer d'aller choper. Et c'est vrai que les 5/11 on passe. Ça va pas être saisir dans le bas. On va tâcher de garder le rythme, pour éviter de fusiller notre voiture. Fonseca pour faire rentrer au stand, et il reste donc si je vais en 15, ouais, ouais, ça devrait être bien. On met 12 tours d'essence, il n'y a rien à réparer. On y va. On va rentrer le sabot à la fin du prochain tour. Là, on avait dit un Sadat qui va rentrer à la fin de ce tour. Allez, puis si on met des super softs, j'ai peur qu'ils tiennent pas jusqu'au bout. Donc, on va prendre la sécurité, on va mettre des softs. Le carburant, il reste 10 tours. Donc, on va le mettre là. Un peu plus de 10 tours de carburant. L'état des pièces, elles sont nickel. Donc, on
expérience d'avoir pas beaucoup de place, donc c'est vraiment de l'objectif. On peut envisager des pas de mécaniques diverses les uns des autres. On est que sur ça qu'on peut vraiment oublier. Ça n'a pas l'air d'avoir un peu au stand. Ça va être un des rares de ceux qui ont un peu au stand maintenant. C'est d'autres qui rentrent au stand maintenant. Le Fonseca qui récupère la 13e place. Ça doit être un petit peu pénalisé puisque il est plus facilement à l'instant tranquille. Alors, dans le classement, on a des pilotes comme Melo, Tiger, Dreyfus, Cavalcanti, qui ont déjà des pneus qui sont bien entendus, mais qui ont des aussi. Donc ça fait 80% de voitures qui ont des pneus qui vont aller jusqu'au bout, bah voilà. Ça peut nous permettre d'envisager de monter en classement. Alors, il faut qu'on fasse 6ème au mieux pour obtenir les objectifs du sponsor, donc il va falloir s'endormir en tout cas. C'est qu'il y a qui passe à l'attaque. À la mi-course, à peu près. Attention.
pas différent à notre pilote brésilien pour l'instant. J'espère que d'ici la fin de la course, la roue va tourner parce que c'est bien titre. Pour l'instant, c'est Elsebeth qui a l'avantage. À son terme, parce qu'on a deux pilotes qui veulent entrer dans les stands. On devrait avoir des travails, hein. On a des gens qui ont des pilotes qui sont quand même pas mal usés. Il reste 5 tours de course. Qui a bien mieux géré ses gommes pour l'instant. Un petit avantage sur le fond de secteur. C'est vrai qu'il peut venir sur le pilote à la deuxième place. C'est un top là. Sur le plan de suspension, ça va aller jusqu'au bout. Je vais casser en face. Et on a deux voitures dans le stand, une qui en sort, une qui va l'arrêter. On va mettre en place là. Ouais, ça serait bien que ça ait une ouverture sur le pilote à la 10e place, Santa Ana. De se libérer de l'air et puis d'aller chercher les pilotes qui sont devant. Parce que là, clairement, pour le coup, ça va jusqu'au bout. Hein. Alors que ça va rentrer au stand. C'est un terrain qui rentre tout le temps en arrière au stand. Il reste pas plus loin. C'est plutôt bon, ça. C'est un bon signe.
est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse avoir des défaillances techniques sur les voitures qui sont devant nous? C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on pourrait garder ça à cause? Non, parce qu'on va faire un dernier tour. Il faut aller jusqu'au bout comme ça. Il n'y a pas d'autre plan. Et c'est là qu'il y a tout ça pour nous. C'est toi qui est en train de lutter littéralement pour garder la 9ème place. C'est quand même qu'elle tient jusqu'au bout, les deux pilotes sont derrière. Quelqu'un qui a été une autre, ils sont en train de se disputer, ils sont en train de faire la 10ème ou la 11ème place. On va rentrer dans le dernier tour maintenant. Et Fonseca qui est en train de lâcher prise totalement avec nous de Fonseca qui sont en train de s'effondrer. Et du coup, on est obligé de lâcher prise littéralement. On peut se faire attraper par les pilotes qui sont relativement loin devant. Ça va permettre de finir la 12ème place pour Fonseca. C'est sûr qu'on est loin de la première place, la victoire qu'on a eue à Spa. Mais ça sera bien quand même. Et ça va être aussi qui commence à défendre en agonie avec ses lames. Ils ont plus d'essence tous les deux. On a trop consommé. J'ai pas fait attention. On était tout le temps dans un excès. Là, on a plus d'essence. Ah ouais, là c'est plus compliqué. J'ai pas fait attention. Erreur d'inattention de ma part. Et du coup, on risque de payer cher. Les pilotes sont là. Allez, dernière accélération. C'est là qu'il va se lancer vers la ligne de départ arrivée. Dans ces cas, ça va être juste. Et on va finir à la 13ème place. C'était chaud. On s'adapte à la 11ème place, Fonseca à la 13ème, on a eu chaud, on est vraiment eu très chaud. Parce que là du coup on n'a plus d'essence dans la bagnole. Et vraiment je me suis demandé si on allait finir la course, j'ai vraiment pas fait gaffe à cette histoire de carburant. Pourtant j'avais pris large, j'avais mis de la marge. Et du coup ça nous a mis dedans. Sabato qui remporte la victoire devant McLeod. Ah, quelle erreur d'inattention. C'est moche. Du coup, alors analyse des inspections des voitures qui donne rien. Voilà, très bien. Fonseca qui finit. Voilà. Ce qui nous donne au classement général des pilotes, Fonseca qui descend de la 6ème à la 9ème place. El Sadat qui prend encore une place. Et ouais, Gérard qui descend aussi, hein, parce que lui il a fait un accident pendant cette course, donc du coup ça a fait dégringoler. Après c'est assez serré, hein. On a 69 points, la 5ème place elle est à 71. Donc ça dépend ce qu'on fait sur les prochaines courses, il y a moyen d'aller chercher encore des points. Et l'Ekiri Dragon Race Team China qui est toujours 6ème avec 130 points. Là aussi c'est pareil, hein, la 4ème place est assez facilement prenable si tant est qu'on se débrouille bien. Julian, je suis Red Dingue d'Yvonne Fonseca, vous pouvez lui transmettre ma demande en mariage. Très drôle. Donc on va faire les comptes, on va voir ce que ça va nous rapporter. Ah, difficile la gestion, hein. Bon, El Sadat qui progresse doucement mais sûrement. On a quand même un sponsor qui nous a donné des ronds. C'est Carnet Blanco qui nous donne 200 000 en fixe. Et donc voilà la fin de ce Grand Prix d'Allemagne avec un budget pour l'instant qui est toujours négatif. Il va vraiment falloir qu'on se refasse sur le prochain Grand Prix.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.